On va partir sur Mario Kart en compagnie de Ponce, Ultia, Rivenzi, Étoile et Mister JD. Mister JD qui partira plus tôt. Et je propose qu'on les rejoigne tout de suite, les amis. Salut, ça fait quoi ce soir? Salut, petit Fortnite. Salut, petit Fortnite, je pense, après là. Putain, mec, j'avais jamais fait gaffe, mais la forme du circuit, c'est la forme de Yoshi, quoi. Ouais, c'est ça, ça, je trouve ça assez ouf. Ah, putain, j'avoue. J'avais jamais vraiment fait gaffe. Hein. C'est marrant, sur le circuit Yoshi, du coup. Tous ces petits virages et tout, c'est pour que la minimap ait... Ouais, carrément, ça a la forme de Yoshi, quoi. Ouais, carrément. C'est assez cocasse. Ouais, ça, je pense que tout le monde l'avait plus ou moins capté. En vrai, c'est plutôt bien joué, parce qu'on pourrait se dire, putain, mais ça va faire un circuit ultra merdique, et finalement, bah... Non, c'est plutôt bien designé. C'est plutôt bien designé, ça va. C'est vrai. Je m'appelle Ponce, salut les fleurs. Tu t'appelles pas Ponce, t'es Antoine Daniel. Salut, c'est Ponce, et j'ai un avis très arrêté sur l'état d'Israël. Oula. Ah, c'est une imitation plutôt fidèle, j'ai trouvé. Ouais. Alors dans la forme, pourquoi pas dans le fond un peu moins. Non, j'ai vraiment cru que c'était Ponce qui était en train de parler. Ah, mais après, c'est peut-être pas les trucs que tu dis en public pour le coup, ça, effectivement. Ah merde, ouais. Effectivement, il y a une différence forcément entre quand on parle ensemble par DM. Ah oui, pardon, excuse-moi. Pardon, je suis désolé, Ponce, vraiment. Comment ça va? Mais au top, et toi, Ultia? Bah ouais. Après le confinement, on se ferait pas un petit tour à Nigloland après le confinement? Mais vous savez que j'en ai parlé à mon père, du coup j'ai fait, ouais papa, tu te rappelles est-ce que tu te rappelles quand on était allé avec à Nigloland avec les filles et tout, et on avait pris des courges et tout, et il a rigolé, il a fait, ouais, je me rappelle de votre truc là. J'ai fait, mais t'avais dit quoi à l'époque? Il avait dit, bon, c'est une petite bêtise, on s'en fout. Ok. C'est la fin de ton histoire là? Qui n'a jamais pété une courge? C'est la question que j'étais en train de me dire. Eh ben, figure-toi que ça m'est jamais arrivé. Ouais, depuis... c'est bon. Ouais, non. Que celui qui ne l'a jamais fait me lance la première courge, hein. Vraiment, c'est... Tout simplement. Non, mais quoi? Mais j'avais des bananes! Mais Nick! Oh, désolé. Mais non! Antoine? Non, non, mais putain, mais t'es pas sérieux, mon gars! Mais non, mais c'est pourquoi... L'indignité. Nous voyons le Suriname, le Guyana, la Guyane française, la Bolivie, la Colombie, le Pérou, l'Équateur, bien sûr. Là, on passe au-dessus du Panama, le Honduras, évidemment, le Mexique, Cuba. Et mais c'est GeoGuessr. C'est GeoGuessr ou c'est Mario Kart ou quoi? Je pense. Oh putain, mais d'où j'ai pas pris de. Antoine Daniel et les autres. Ah bah non, vidéo, on se prend la rouge là. Oh non, j'ai pris ma. La 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 la, je pète un câble. Hein. Là, je commence à. Ça y est, c'est parti. Hein, là, j'ai pris trop cher. Hein? Ah bah oui! Mais non! Mais. Mais putain! C'est dur! Oh, c'est tellement dur la vie! Ah là là! Oh, non, mais regardez! Ouais, t'étais derrière tous les autres. Oui! Ça va aussi. Mais non, mais putain! Oh, je hais cet objet! Oh non! Ok, ma vie est merdique. Ma vie est pire que celle du chirurgien de Kim Jong-un. Elle est pire. Ah, j'ai pas eu le temps de te doubler, Ponce. Ça aurait été exceptionnel, mec. Legit. Legit de ouf. Legit de ouf. Mais tout est calculé, Antoine. C'est qui est tout devant? Bah, c'est un mec qui va se prendre une bleue, en fait. Parce que tout est calculé. Oh non. Non. Pas maintenant. C'est pas vrai. Mais putain. Qu'est-ce que je fous? Putain. Je fais absolument n'importe quoi. Bah oui, je lui avais pris ses cadeaux. Non, non. Moi, j'ai pris que le terrarium. Et la peluche. Et la peluche, bien sûr. Un train qui arrive en gare ou quoi? Un train, oui. Il y a un TGV, là, de culot. C'est Antoine. Mon arrière-grand-mère, elle est espagnole. Elle faisait de la paella. Elle était trop bonne. Moi, je te la trouvais dégueulasse, je veux pas te mentir. Trop qualitatif, quoi. La paella de ta grand-mère, je la trouvais dégueulasse. Hein. Elle serait pas contente, Jeannette, si elle entendait ça. Oh, pauvre Jaja. Mais putain! Oh, Jaja! Mais putain, mais. Y'a pas moyen, grand-mère, Jaja? Très bonne impro, ça, Ponce! Ça, c'est bien vu, ça, dis donc! Merci, Antoine! Je t'en prie! Bon, par contre, je suis désolé, pendant qu'il se passait tout ça, y'a Étoile qui était premier, qui s'est pris une bleue à 10 mètres de la ligne d'arrivée. Oui, tout à fait! Je mérite totalement ce qui vient de se passer, parce que j'avais dodge et j'ai raté mon dodge, donc je mérite totalement. Je ne dois pas me plaindre une seule fois, je suis juste victime de ma médiocrité. La remise en question de l'homme! Donc maintenant, on ne dit pas. Pas de chance, on dit tu pues la merde. Bah t'as pué la merde. Pas de chance de puer la merde, du coup, finalement. Et j'ai renversé toute ma bouteille d'eau sur mon tapis et c'est mérité. Ah bien, t'as pué la merde d'avoir pué la merde alors. Ou alors t'as pas de chance d'avoir pué. Imaginez un jour on a Midna dans Smash. Ça serait de la frappe, non? Y'a que moi qui veux. Ouais, ça serait ouf, allez, c'est parti. Oh, quel bâtard!
Quoi? Mais non! Mais c'est pas vrai! Non! Non! Ah bah, s'il y a un champi d'étoile, il y a un champi d'étoile, il a gagné. Oh, quoi? Il y a un trou ici! Je vais me faire seppuku. Non, c'est pas possible. J'ai mis le klaxon. J'aurais dû le mettre à droite. Mais par contre, j'ai klaxon ponce pour. Quelle indignité. Ah bah, sinon, j'étais deux, hein, donc. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Aïe. Coup dur pour Guillaume. C'est peut-être cette chanson du duo de rap français Bigflo et Oli. Boum. Ça fait bim bam boum. T'inquiète, je me suis pris un truc aussi, ça. Je vais juste servir à tempo, mec, vraiment. C'est quoi cet objet de merde? Étoile, dis donc, voilà. Ah mais qu'est-ce qui se passe dans cette game? Ah non, mais c'est pas lui! Mais non! Ouais! Retourne l'étoile! Si, si! Ah non, Antoine, je suis intouchable, hein, comme Omar Sy. Ah ouais? Ah, je suis comme François Cluzel. Oh non! Tu grésilles un petit peu, Antoine? Oh, Antoine Grésilleman! Pas mal! Antoine Grésil. Antoine tu grésilles, c'est la phrase qu'il a le plus entendue dans sa vie en vrai. Non, c'est pas celle-ci. C'est ma mère qui me dit je n'ai pas de fils. Ça, c'est la phrase qu'on m'a dit le plus souvent. Arrête de dire des trucs comme ça. Oh, moi aussi, je parle de mes parents, t'es pas la seule à pouvoir parler de tes parents, à ce que je sache. T'as juste la pièce, Antoine, ou t'as un autre objet devant? J'ai une rouge. Ouais. Bah tiens, t'en as une deuxième maintenant. Animal Crossing. Oh, y'a Peck. Bah non, il est pas là. Moi je le cherche un peu parfois mais je le vois pas. Histoire de lui rouler dessus. Bah ouais. Regardez bien. Je dis il est premier avec un klaxon. Regardez. Oh le bâtard. Oh, il a... Moi je les ai eu. Merde mais mec. Non mais attends, mais attends. Je me oh mais non. Oh non. Antoine, mais c'est pas vrai. Mais il tient merde. Il y a une collision mais c'est une blague. Mais oui. C'est toi qui faisais pas toi. Attends, y a pas eu. Putain Antoine. Mais c'est toi. Comment ça c'est moi? On a lancé notre carapace en même temps. Bah alors pourquoi ça serait moi? Bah... Ah, j'avoue. Ah, ça commence à parler chinois, j'ai l'impression, hein. Ça va, toi? Oh. Pardon, oui, ça va, et toi?